Bon matin. Je suis tellement heureuse de vous nourrir, de vous faire plaisir, je trouve ça fantastique. Et je voulais juste, avant que Marie-Josée arrive, parce qu'aujourd'hui, c'est les protéines vanille qui sont en spécial, je voulais juste vous montrer le petit guide pratique qui est arrivé hier. Donc, je vous l'ai mis en lien hier soir. Je vous le remettrai en lien après le direct. 2 $, c'est le prix de l'impression et du papier. Mais voilà, il y aura le guide beauté dans 3 semaines à peu près qui suivra de la même façon, guide pratique. Donc, c'est que l'essentiel pour les personnes qui veulent pas se taper 600 pages de compréhension. C'est vraiment, qu'est-ce qui fait quoi? Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez soulagé tel truc? Donc, beaucoup de vos témoignages et tout ce que moi je fais et pourquoi je le fais et qu'est-ce que je prends. Donc, c'est ça, le guide pratique des suppléments à 2 $. Et on en est très fiers. Symbolique pour moi aussi parce que c'est la photo de mes 50 ans. Et c'est le petit voyage en famille que j'ai fait aussi pour mes 50 ans avec ma baignade en eau froide dans la mer. Tu sais, c'est ça, les petites illustrations, les images qui. Mais parce que pour moi, tout ça, c'est la qualité de vie, c'est de retrouver notre bien-être et le garder, le conserver pour longtemps. T'sais. Donc, OK, ça le mentionne. Ah, OK. Je vais, oui, alors les protéines, ça sera pas long, elle l'ajoute dans sa lettre. Je vous ai envoyé une lettre à envoyer et je vais l'ajouter au direct. Bon, je voulais juste me valider ça. Donc, aujourd'hui, les protéines. Aha! Allô, Marie-Josée! Allô! Enchantée! Moi aussi, très contente d'être avec moi ce matin. Merci, merci beaucoup d'être là. Alors, OK. Lise qui dit qu'elle attendait, c'est parce que en t'attendant, je sais que c'est surtout vous qui attendez après moi, là, après le signal, mais le direct part. Je voulais juste présenter, c'est un petit guide pratique de 20 pages, vraiment, et j'en ai fait deux, j'ai celui-ci, puis il y en a un autre qui est le guide beauté, celui-ci, c'est le guide des suppléments. Donc, mais que l'essentiel, tu sais, pour les personnes qui veulent pas, parce que là, j'ai beaucoup de choses sur mon bureau. On a le guide de suppléments qui est vraiment, qui va faire une différence, qui explique tout. Mais ici, c'est vraiment juste l'essentiel pour les personnes qui, je vais juste dire à mon fils que je suis, Louis, je suis en direct. Désolée. Hey, c'est un matin comme ça. Je ne sais pas si c'est le même chez vous, là, mais. Papa, papa, aujourd'hui. Donc, guide des suppléments, 24 pages, ça vient d'arriver et on vous le propose à 2 $ parce que c'est le prix du papier et de l'impression. Pourquoi je vous le donne pas? Je vous le donnerai sûrement à un moment donné, mais pas là, là. C'est que je veux pas qu'il se ramasse au recyclage. C'est par respect pour le papier. Donc, vous le savez, tous les guides, on vous les propose. C'est les guides pour comprendre et tout ça. Je veux. Comme le papier, c'est une belle ressource, nous, on utilise aussi un papier de source renouvelable, mais j'ai pas envie que ça se jette. Donc, et quand on met le prix pour le papier, mais j'ai l'impression que les gens y pensent, t'sais, ils vont pas juste le prendre après ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit montant, qui est le prix de l'impression et du papier. Maintenant, aujourd'hui, c'est les protéines vanille qui sont en spécial grâce à toi. Donc, ils sont à 59 et 20 pour 30 portions. C'est Louis qui appelle Sylvain. Je veux juste retrouver mon texte pour être certaine. 59 et 20, c'est bien ça. Aïe, 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 aïe. Oui,
Il y a 30 portions, donc ça revient à moins de 2 $ pour un repas. T'sais, moi, vous le savez, c'est mon déjeuner. Je ne pourrais pas m'en passer. Et vanille et banane, c'est vraiment très bon. T'sais, un milkshake, t'sais, avec un lait végétal, ses protéines et les bananes, c'est top. On a mis une limite de 2 par personne. Parce que récemment, vous vous êtes garroché sur le magnésium et on n'en a plus. T'sais, on s'attendait pas à ça, c'est des milliers qui sont partis. Donc, t'sais, il y en a qui en prenaient 3, 4, 5, 6. Fait qu'on peut pas, nous, si quand c'est nos formules qu'on fabrique, il n'y a pas de problème, on peut en refaire et rapidement. Mais quand c'est les suppléments, les super aliments, tranquillement, on va, nous, on a installé un, allô Chantal, on a installé un laboratoire pour ça, mais il n'est pas encore en fonction, puis ça prend du temps, tu sais, de s'installer, là, puis donc on peut pas, et les délais sont tels que on peut pas être devant comme l'imprévu, comme ça a été un peu dans la journée du magnésium. Donc, 2 par personne. Ou 2 par commande, si vous voulez, là, pour les protéines. Et c'est correct, là, tu sais, je pense, en tout cas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés comparativement aux précédents? Non, Stéphanie, c'est vraiment une synthèse. C'est vraiment la compréhension. D'ailleurs, ce petit guide, je l'ai mis aussi en virtuel sur le site. Moi, des fois, je tenais un peu de l'écran, Marie-Josée, tu sais, le téléphone, tout ça, et j'aime le papier. Je suis une fille qui aime m'installer et qui aime regarder. Tu sais, d'ailleurs, hier, j'étais très heureuse de le regarder, puis de prendre des notes et d'encercler et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi une version papier. Mais si vous préférez ne pas aller dans le papier, il y a aussi la version virtuelle que je vous avais partagée il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est vraiment un réseau. Ah ben oui, oui, il y a des nouveautés. C'est les formules qui vont voir le jour, dont Chantal qui est la conjointe de Pierre Haddad, la formule anti-âge que Pierre a créée, par exemple, qui est pas là tout de suite, mais qui arrivera éventuellement. C'est comme ce livre-là est là pour rester. Voilà. Bonjour à Marie-Josée et tout. Marie-Josée, merci de m'avoir laissé le temps de l'intro. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qui es-tu? Quand nous as-tu découvert? Qu'est-ce qu'ont fait les protéines dans vos vies à toi? Et je sais que vous aimez les petits fruits, mais on n'en avait pas assez. Pas de soucis. Pas de soucis. Je fais le mélange des trois, chocolat, vanille, petits fruits. Moi, je vous ai découvert, j'habite à Lévis, j'habite à peu près 15 minutes à pied de la maison Jacinthe de Lévis. À pied. Puis, je vous ai découvert, ben, je savais que tu existais parce que sur mon savon, ma bouteille de savon liquide, c'est Maison Jacinthe, ça fait des années que j'ai ça, que j'avais pris ça. Du temps que j'étais dans le coin du lac Etchemin, dans une boutique de santé naturelle. Puis, ça fait très longtemps. Et là, je suis revenue à Lévis. Et quand j'ai vu passer ça sur Facebook, je ne sais pas trop, qu'il y avait une maison Jacinthe à Lévis. Puis, ça fait combien de temps que c'est ouvert à Lévis? 2021, je peux le dire exactement, parce que j'ai fait mars 2021. Début. Oui, c'est ça, au début, en même temps qu'au début de la pandémie, hein? Ouais, ouais. Fait que, puis en même temps, ben, je me suis mis à écouter tes directs. Puis c'est comme ça que Maison Jacinthe est rentrée dans ma vie. Et ben, j'adore tes enseignements, ça me rejoint totalement. Mon mode de vie, ton mode de vie et mon mode de vie. Et j'ai intégré petit à petit des formules, des protéines, plein de choses là. Puis vu que c'est pas très loin, mon amoureux va prendre son café très souvent en face, puis il me ramène des cadeaux. Fait que oui, c'est comme ça que j'ai découvert, ouais. Vas-y, vas-y. Puis les protéines, ben la raison principale pourquoi j'ai posé ma candidature, c'est vraiment, moi, ça a été très important pour moi. L'alimentation est importante. Puis, quand je voyais mon chum le matin,
manger des sauces au beurre de pinot avec des confitures. Oh, tu peux imaginer qu'est-ce que ça me faisait, hein? Le matin, oui, tu sais, c'est pour moi, c'est oui, je comprends très bien. Ben, parce que c'est bourré de glucides. En partant la journée, c'est du poison pour moi, là. Fait que j'essaie de le comprendre, de lâcher prise là-dessus. Puis, ben moi aussi, j'avais débuté les protéines le matin. Puis, petit à petit, j'ai acheté la protéine aux fraises, aux petits fruits. Puis, je lui ai fait goûter. Puis, il a aimé ça. Puis, je lui ai suggéré, ben garde, tu pourrais troquer un matin sur deux tes toasts au beurre de pinot et confiture pour un shake de protéines. Puis, il a tellement aimé ça que maintenant, c'est tous les matins. Puis, j'en suis très heureuse. Ça joue sur son énergie. Sur son énergie. Puis, il se prépare lui-même le soir pour le matin quand il part partir travailler. Donc, oui, moi, tes protéines, je les adore. Ça joue sur ma facture d'épicerie parce que, comme je le disais dans mon message à Marie-Christine, j'aime faire le jeûne intermittent. Donc, ça me sert de déjeuner-dîner. Puis là, j'ai intégré la fontaine de jouvence. Puis ça étire encore plus. Je sens pas la faim. Donc, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci, merci. Alors, quelqu'un demande, est-ce que ça peut remplacer un repas? Oui, ça n'a pas été élaboré pour ça, mais absolument à 100%. C'est ce que je fais. D'ailleurs, les petits déjeuners qu'on offre, nous, notre équipe, on a une grosse équipe maintenant, labo, entrepôt, bureau. Y a toutes les, et d'ailleurs, Louis a pris une belle photo pour moi hier. Justement sur place parce que j'avais besoin d'une photo pour et on peut apercevoir en arrière-plan là tu sais, tous les sacs de protéines qui sont là pour l'équipe. Donc vous avez il y a une naturopathe qui a passé en revue certains mélanges de protéines sur TikTok puis elle est arrivée sur les nôtres et on la connaît pas on l'a pas on ne lui a pas envoyé les protéines, c'est elle qui les a essayées d'elle-même. Puis, elle a visité, tu sais, justement, puis il y a une médecin aussi en Italie, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a consultée, puis elle lui a fait parvenir le profil d'acide aminé qui est derrière chacun de nos mélanges. Et tous ces spécialistes sont impressionnés parce que, donc, vous savez que c'est Jean-Yves qui a élaboré nos mélanges. On a trois mélanges. Aujourd'hui, ce qui est en spécial, c'est le mélange de protéines vanille. Ça vaut vraiment la peine. Et vous avez là ce que Jean-Yves a voulu faire, c'est imiter le profil d'acide aminé du petit lait, mais en version végétale. Donc, il a calibré, tu sais, toutes les protéines. Pour arriver au même profil d'acides aminés pour favoriser la masse musculaire, entre autres. Vous avez les acides aminés essentiels sont tous là. Et tu sais, avec la teneur de chacun, parce que si, par exemple, vous voulez de la glycine, bien, vous savez qu'il y en a 1,24 grammes par portion. Mais vous avez toutes tout est bien décrit en arrière. Pour moi, c'est important parce que le travail, c'est ça. Dans ce mélange en particulier, le protéine végétale vanille, on le fait pour lui parce qu'il y a un système digestif plus pas délicat, mais tu sais qui a eu ses problèmes, il en a souvent parlé. Et donc, on a fait fermenter chacune des protéines pour les rendre plus digestes, plus assimilables. Donc, c'est tout un cocktail et c'était tout un travail d'arriver à ça avec donc toutes les protéines fermentées. Et vous avez, est-ce qu'on a du, on a un ensemble d'enzymes aussi digestives dedans, justement pour ça. Donc, les personnes qui ont de la difficulté avec leur système digestif vont trouver là une belle solution. Et ceux qui en ont pas, moi j'ai pas de problème. On a dans ce mélange une formule qui est encore plus facile à travailler
pour notre système, donc plus assimilable, donc le rendement peut-être plus performant, tu sais. Donc, c'est vraiment une belle protéine avec laquelle commencer. Et elle goûte super bon. Si vous voulez effacer ce goût de poudre, parce que c'est quand même une poudre, on le passe au mélangeur. Donc, vous prenez votre lait végétal, puis vous mettez votre... moi, j'aime bien en faire deux. Je me fais deux shakes, comme ça, j'en ai pour la journée, parce que Jonathan en prend, mais je me fais deux portions. Donc, dans un litre de lait végétal, je vais mettre deux, trois scoops, là, ça va dépendre. Et après ça, je le garde, mais je le passe toujours au mélangeur. Il n'y a plus d'effet poudre dedans, c'est quand c'est bien mélangé de cette façon-là. Alors, voilà pour les protéines vanille. Et si vous voulez vraiment aller chercher une belle qualité de repas, rajouter un gras dedans. Ça peut être l'huile d'argan et je salue encore Chantal qui nous a mis en contact avec Pierre, avec cette communauté de femmes. L'argan donne un goût de noisette et c'est vraiment bienvenu. Ça peut être un peu de beurre, tu sais, d'amande par exemple. Ça peut être l'huile TCM qui est un produit santé naturelle homologué pour favoriser l'énergie et aussi pour créer un effet de satiété. Donc, une cuillerée à thé va suffire pour un shake. Donc, et c'est ça que Olive fait. Oui, et on voit, Marie-Josée, que ça soutient. Et, tu sais, quelqu'un récemment disait, Jacinthe, tu prends plus de shake de fruits le matin. Non, parce que j'ai eu les protéines qui sont arrivées et je manquais de protéines. Comme je suis végé, dans le reste de mes journées, j'avais pas de protéines, de source de protéines. Donc, j'ai troqué pour le shake de protéines. Et moi aussi, j'ai réalisé que l'énergie qu'on avait était extraordinaire. Et c'est ça que je vous souhaite. On n'a plus de fatigue, de crash après avoir mangé un repas de glucides. On a une énergie soutenante et stable et merveilleuse pour bien vivre nos journées. Donc, et ça se digère encore une fois. Tu sais, ce que j'aime, moi, mon approche alimentaire, ma philosophie, c'est de favoriser ce qui est digeste et rentable. Donc, ce qui se digère, s'assimile bien, ce qui est facilement utilisable, si on veut, par notre système digestif pour pas qu'il y ait à travailler trop fort pour aller chercher les nutriments et ce qui va aussi nous générer de l'énergie. Je veux pas manger et être fatiguée après. Pour moi, ça fait pas de sens. Ça devrait pas être ça, l'alimentation. Donc, pour remplacer, si vous voulez, moi, c'est ce que je fais, Caroline. Je peux pas vous dire, je ne suis pas nutritionniste. Il y a quand même des nutritionnistes qui ont regardé nos protéines. Elles sont fantastiques, encore une fois. Il n'y a pas de gras trans. Lucie, je favorise, dans les protéines, il n'y a pas de gras. Ce ne sont que des protéines et des enzymes digestives, ce qui est vraiment, même quand on avance dans le temps, fantastique, là, d'aller favoriser ça. C'est le docteur Willem qui parle de ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon lait végétal et je mets 2 à 3 scoops de protéines dedans, dans 1 litre. 2, c'est suffisant. Et un peu d'huile d'argan. Moi, j'aime bien l'huile d'argan, mais ça peut être l'huile TCM qui goûte rien. Donc, c'est un bon gras. Ça prend, Lucie, des bons gras. Tu sais, ça prend des bons gras pour fonctionner, pour huiler notre machine, pour générer de l'énergie, pour avoir une belle peau, des beaux cheveux. Tu sais, ça prend des acides aminés, des gras et, tu sais, des glucides. On n'a pas besoin on en prend déjà assez, là. Donc, voilà. Alors, c'est ce que je mets dans mon lait végétal maison aussi. Alors, j'aime mettre aussi, comme toi, un bon gras et j'ajoute un peu de fibres. Ah! J'aime le manger à la cuillère. J'ajoute un peu de fibres puis des graines de chia. Donc, tu te fais un pudding? Oui, c'est ça. Je le fais en pudding. Je le mange, ça vient plus épais. Puis, je le mange à la cuillère, ouais. Combien de cuillères, Sonia veut savoir, combien de scoops de protéines, parce que le scoop est dedans, là. Donc, combien, toi, t'en prends? Moi, je mets environ 2 tasses de lait d'amande. Je mets 1 scoop de protéines.
tu mets comme 2 cuillerées à soupe de gras. Ça peut être le TCM, huile d'avocat ou huile d'olive. J'ai pas encore passé à l'huile d'argan, mais ça va être bientôt. Voilà. Je mets du cacao souvent, ton cacao qui est merveilleux. Une cuillerée à soupe de graines de chia, puis une demi-cuillerée à thé de fibres. Eh ben. Je prends des fibres aussi à jeun le matin. Donc, ça fait, je le laisse reposer, ça fait un pudding, puis j'aime mettre des bleuets dedans. Ah, c'est Des tout. bleuets rouges, oui. Puis, je passe ça au blender aussi, au mélangeur. Ouais. Puis, ton chum, c'est ce qu'il prend aussi sous forme de pudding ou de shake? OK, lui, c'est le pudding. Oui. Moi, je suis moins fan des puddings. Moi, j'aime pas perso, j'aime pas la texture de pudding. Mais Oui. ça a toujours été comme ça. Fait que moi, j'aime le shake. Mais un et l'autre, c'est la même chose. Ça se digère facilement. Oui. J'ai toujours, tu sais, que c'était le smoothie de fruits pendant 10 ans, 15 ans, ça a été un smoothie de fruits le matin. Maintenant, c'est le shake de protéines. L'idée, c'est d'avoir justement une formule qui se digère en 20 minutes, tu sais, qui se digère rapidement, qui me donne l'énergie. Et basta, si je suis bien dans ma peau, mon corps reçoit la quantité de nutriments et les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Il n'a pas faim. Il n'a pas faim pour des cochonneries. Tu sais, c'est les protéines. Exactement. Et les protéines, c'est aussi, comment dire, ça supporte la digestion aussi. Et ça, on l'a vu avec Valérie, qui est experte en nutrition fonctionnelle. Donc, les protéines le matin, pour les personnes qui ont de la difficulté, moi, je trouve ça fantastique là, pour la digestion. Et Lucie, il n'y a pas de gras trans nulle part dans notre alimentation. Vous faites une fixation sur les gras trans. Toute mon alimentation est basée sur les protéines végétales, sur les bons gras, encore une fois, parce que ça prend des bons gras. Et avec Pierre, qui est chercheur et qui est spécialiste dans le foie et dans le métabolisme et dans les maladies métaboliques et tout ça, on a parlé d'huile d'argan. Qui, elle, va même voir à favoriser à l'élimination des mauvais gras. T'sais, donc, il faut pas avoir peur des bons gras. Et peut-être, moi, je ne suis pas experte ni en nutrition, ni en métabolisme, t'sais, ou en foie. Je commence à comprendre, là, je baigne là-dedans, mais peut-être aller écouter ce que Pierre va par quand il parle de ça, de l'huile d'argan, l'impact de l'huile d'argan sur les glycérides, là, si je me trompe pas. Donc voilà. L'huile d'argan avec les protéines, c'est délicieux. Le petit goût de noix. Moi, et Marie-Josée, tu vas apprécier. Si tu es une fan de l'alimentation nutritive et de cette qualité-là, l'huile d'argan, c'est un bonheur. On sent 10 heures par bouteille quasi que ça prend au fond, tu sais, pour aller. On sent la qualité, on sent le fait main, on sent le côté artisanal et c'est. Et en plus, merveilleux pour le bien-être. Il y avait une autre question. Quelle est la différence sur le corps entre l'huile d'argan et l'huile TCM? L'huile d'argan, c'est une huile alimentaire qui peut favoriser justement la présence des bons gras. Et on l'a vu même avec quelqu'un qui a eu des résultats dans ce sens-là, là. L'huile TCM, c'est un produit santé naturelle homologué par Santé Canada pour créer un effet de satiété et générer de l'énergie. Les personnes qui manquent d'énergie le matin, là, un scoop, juste une cuillère, pas un scoop, mais une cuillère à thé d'huile TCM peut faire une belle différence. Et les petits fruits, donc je sais que vous aimez celle-là, Marie-Josée, mais nous, on ne savait pas si, tu sais, les gens normalement sont habitués aux protéines de vanille, protéines de chocolat. Tu sais, c'est ça que les gens. Mais la protéine petits fruits, c'était l'idée de Jean-Yves et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Puis on a mis notre arôme naturel de fraises dedans et parce que j'aime les milkshakes aux fraises aussi. Et on est allé chercher un cocktail d'antioxydants. Donc, C'est intéressant ce que tu as déjà mentionné aussi, c'est que ça contient 15 mg de fer. oui. Oui.
Puis nous, on mange pas beaucoup de. Mon chum et moi, on mange pas beaucoup de viande. Donc, je trouvais ça intéressant de ce côté-là aussi. Mais là, ça disparaît, ça disparaît. Et comme je vous dis, nous, on doit s'y prendre d'avance pour Oui. ce mélange-là. C'est un laboratoire partenaire, hein, tu sais, ça fait partie de la famille, de la même façon que nous. On a, tu sais, certaines sections dans les plantations qui sont réservées pour nous, tu sais, partout dans le monde. Donc là, on a, mais ça, ce n'est pas chez nous et on peut pas se dire, OK, il nous manque de sérum or, on fait des sérums or maintenant tout de suite. C'est pas comme ça que ça se passe quand on c'est à l'extérieur de chez nous. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu proposer les protéines petits fruits, mais sont intéressantes pour ce cocktail-là de petits fruits dedans. Donc de véritables bleuets, par exemple. Il y a de l'argousier, je pense qu'il y a du sureau. Tu sais, c'est donc tu sais, pour aller chercher les antioxydants en plus. Lynn te remercie, Marie-Josée, pour tes suggestions de pudding. Et tu es très belle, ta peau est magnifique. C'est le fun, hein, quand même, d'être avec vous puis de voir matin après matin les belles peaux. Sylvie, j'ai essayé les protéines aux petits fruits. C'est la première fois que j'aime un shake aux fruits. Avec la quantité que vous mettez, soit 2 contenants, est-ce que c'est pour un repas? Carole, moi, je prends mon shake comme repas. Et, tu sais, les gens le savent, Jonathan, c'est moi, je n'impose pas mon alimentation à ma famille et à ceux que j'aime. Jonathan ne mange pas de viande. C'est de lui-même, on lui propose et il veut pas aller vers ça. Mais je suis rassurée parce que j'ai la protéine de riz fermenté seule qui goûte rien que je rajoute dans tout ce qu'il mange. Et il va prendre mon shake. Il en prend un par lui, par jour. Et ça remplace. Oui, pour moi, un repas pour lui aussi. Et si vous voulez savoir, ce n'est pas une équation qui est donnée par moi non plus, mais Valérie, qui est experte en nutrition, l'a relevé aussi. 1,2 grammes de protéines, donc pas de viande, parce que dans la viande, je pense qu'il y a un tiers de protéines qu'on va chercher, là, mais tu sais, donc 1,2 grammes de protéines par poids en kilos, c'est ce qu'on devrait prendre par jour, tu sais, pour s'assurer d'avoir ce qu'il faut comme protéines. Les protéines, c'est notre soutien, c'est notre masse musculaire, c'est aussi notre digestion, c'est la structure, tu sais, c'est pour nos cheveux, c'est pour la peau, c'est important d'en avoir. Et malheureusement, avec le temps, on dirait que on efface les protéines de notre vie. Tu sais, plus on avance dans le temps, moins et c'est important d'avoir une masse musculaire pour se tenir. T'sais, tout ça, on en parle dans le livre, la longévité aussi, de l'importance des protéines. Je suis végé, donc je favorise les protéines végétales et je suis contente d'avoir ces mélanges-là sur lesquels m'appuyer. C'est sûr que l'idéal est toujours d'aller chercher les protéines dans l'alimentation. En végé, c'est difficile. Et moi, je trouve que d'avoir des protéines, ça nous sécurise, c'est dans justement ce qu'on doit consommer. Et pour la planète, je trouve ça merveilleux aussi. T'sais, je veux dire, c'est ma. T'sais, peu importe les discours, là, je veux dire, je pense que c'est assez dévastateur de n'avoir que. T'sais, d'avoir des champs de maïs pour nourrir le bétail, t'sais, puis les gaz. T'sais, fait que. Voilà. C'est pas trop de mettre TCM et argan dans le même chèque, David. C'est différent, tu sais, les deux se complètent. Donc, voilà. Ginette, elle mélange les protéines aux petits fruits avec du jus. Ah, ben, pourquoi pas? C'est comme rajouter dans un smoothie. C'est juste que dans le jus, on a une quantité de sucre directement, là, de ce que dans un smoothie de fruits, on a les fibres qui ralentissent les sucres là, dans ça. Mais bon. Ah, graines de citrouille, c'est bien aussi. C'est le fun d'avoir vos idées de smoothie, de déjeuner, tout ça. J'adore les protéines vanille avec le cacao. C'est sublime, oui. C'est oui. Vraiment. Bravo à ces femmes qui font l'huile d'argan, merveilleux. Merveilleux. Super. J'ai regardé voir s'il y avait des questions et il y a. Chantal parce que Michel a développé une barre
aux arachides, pour moi, même si je sais que les arachides, il y a plus de glucides, mais c'est parce que j'aime le goût des arachides. Et des fois, j'aime ça m'en croquer, tu sais, juste la moitié d'une barre. Mais il a misé aussi sur les protéines. Dans ces barres-là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines. Et une barre aussi au chocolat. Puis, comme il en avait fait beaucoup pour Repentigny, on en a envoyé à Saint-Bruno pour que vous puissiez goûter. Et c'est vraiment très bon. Et très riche en protéines aussi. Donc, et Chantal, je salue Pierre et j'ai hâte de vous voir. Marie-Josée, avais-tu quelque chose à ajouter sur la différence? Je sais que je parle beaucoup. Des fois, je vois les questions des Philippe, je veux répondre à tout. Puis je vais, les fibres, huile et extra bleuet également. Donc, c'est ça que tu mets dans ton. Oui, dans mon pudding protéiné. Puis vu que je passe ça au blender, les suppléments que je prends en capsule, je mets tout ça dedans aussi. Ah oh ben, toi, Ouais. tu les ouvres. Je les ouvre ou je mets la capsule en le passant tout ça au blender, tout se mélange, tout se défait. Donc, mon pudding est très généreux en nutriments. Nutritif. T'as compris l'importance d'avoir les bons nutriments. Qu'est-ce que tu mets comme supplément dedans? Je suis curieuse pour le et que le, ça goûte bon quand même, là. Les multivitamines, le magnésium, une. Oui, c'est pas mal ça. Dépendamment de ce que je prends à ce moment-là. Mais c'est ça, je mets tout là-dedans. Je passe tout ça au blender. Et puis, je mets des graines de citrouille aussi. Ça me donne un petit croquant. Et puis, les bleuets. On se rappelle que Marie-Josée aime le manger en pudding. Donc, avec un petit croquant dedans, puis c'est une super bonne idée. Puis, quand nous partons en voyage, nous préparons nos déjeuners à l'avance. Simple, Oui. nourrissant. Fait que tu pars avec tes petits puddings. Oui, je pars avec mes pots maçons. Je les fais tout à l'avance. Des fois, c'est du lait d'amande. Je varie avec le lait d'amande et le lait de soya, mais je privilégie, j'aime plus le lait d'amande. Puis, c'est ça, je les prépare tout à l'avance dans des pots maçons. Sinon, on part 3, 4 jours. Puis, à tous les matins, puis j'amène mon kit pour la fontaine de jouvence pour prendre comme collation. Puis je fais des boules d'énergie aussi, des recettes, là, je les adore sur le site. Les recettes de vinaigrette. Vinaigrette avec du lait de coco. Je suis partie avec ta recette, puis je l'ai modifiée. Mais ça m'a donné une très bonne idée de vinaigrette. Je fais toutes mes vinaigrettes avec tes recettes. C'est quoi donc avec le lait de coco? Parce que je suis habituée au beurre de tahini, par exemple, à l'huile de sésame, mais ça. Ouais. C'est une canne de lait de coco, du vinaigre de cidre de pomme. Moi, je mets de la sauce au piment, je mets de l'ail, je mets du sirop d'érable. Je passe tout ça au blender, puis ça me fait une bouteille, un shake, là, un shaker. Je mets ça ça remplit mon shaker, puis c'est ma vinaigrette. Ouais, actuelle. Puis, ton vinaigre de cidre de pomme est excellent, merveilleux. Ton cacao aussi. Bon, alors tu me fais confiance, Marie-Josée, tu vas voir que l'huile d'argan, c'est pas Oui. pour rien. Tu sais, quand on m'arrive avec des trouvailles, je fais comme ouh là, tu sais, je goûte et N'en doute pas. il y a une Ouais. différence, alors j'y vais, tu sais, je vais avec parce que, tu sais, puis l'huile d'olive, je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a des très bonnes aussi, mais c'est important qu'on en tienne aussi parce qu'il y en a qui font leur épicerie chez nous, tu sais, et ça fait partie de. Mais, tu sais, je trouve qu'on se distingue avec le cacao et c'est important Oui. d'avoir pour Lucie, là, qui a de la difficulté avec les gras. Pour moi, tu sais, et je peux comprendre des fois, mais tu sais, qu'on est habitué puis qu'on entend des trucs, tu sais, sur les gras trans, sur le sel, tu sais, puis que moi, j'arrive avec mes cuillères de sel puis que j'en rajoute dans ma salade puis tu Ouais. goûtes ça. Ben, le sel, moi, là, depuis que j'ai acheté ton sel,
Puis depuis que j'en prends, j'avais des crampes dans les pieds, dans les mollets la nuit, là. Depuis que j'ai commencé ça, j'en prends matin et soir, j'en ai plus. Puis quand je saute un soir, je m'en aperçois, j'ai des crampes. C'est vraiment, moi, ça a vraiment fait une différence. Ouais. Une journée, j'ai pas mis de sel et j'ai eu des crampes dans le pied, comme ça se peut pas. Ouais. Tu sais, je le dis, mon châle, il est grand, 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 il pousse, c'est comme, j'ai l'impression qu'il vient de prendre un pied, tu sais, et plus, il y a différents métabolismes, mais quand, tu sais, quand on s'entraîne, quand on est actif, quand on va dans son infrarouge, quand on est. On peut, quand on est stressé, quand on peut perdre de ce sel, de ce magnésium, et on a besoin de ça. Et la différence était patente au niveau des crampes. Mais tu sais, donc je reviens à Lucie qui, tu sais, c'est difficile des fois de réaliser quand on a entendu des trucs toute notre vie. Oui, mais moi, je te soutiens là-dedans au niveau des gras. Les gras, les bons gras, ça détruit, ça amène le mauvais gras à s'éliminer. Exactement. Ben, ça, c'est. Toute notre enfance, on a été conditionné à éliminer les gras et à se bourrer de sucre. C'est épouvantable. C'est exactement ça, Marie-Josée. Les collations, tu sais, Ah. tu sais, mettre des collations un peu partout, puis que nos enfants doivent partir à des collations, tout ça. Et les gras, il faut faire attention pour le foie. Et là, on fait des mauvais liens. Puis après ça, il faut prendre telle affaire pour les os, parce que sinon on va faire de l'ostéoporose. Puis là, on réalise à un moment donné, puis on a 50 ans, on a 60 ans, que, oups, c'est peut-être pas vrai. Hey, c'est difficile à accepter parce qu'on a voulu bien manger toute notre vie. Je le sais, je viens d'une famille où maman faisait tellement attention à tout, que là, je fais comme, tu sais, le ouf. Puis, tu sais, de dire, tu sais, peut-être que non, tu sais, peut-être que. Et c'est un chemin, des fois, c'est même pas possible de franchir ces barrières-là qui ont été comme érigées avec les espèces C'est d'apprentissage de. des croyances limitantes, une très grosse croyance limitante au niveau du gras, là. C'est vraiment, là. Puis, tout le temps se souvenir que les bons gras, c'est l'huile TCM, c'est l'huile d'olive, des bonnes huiles d'olive, d'avocat, d'argan. Et tu fais C'est bien de le dire, les bons gras qui éliminent, qui entraînent le mauvais gras. Ça, Marie-Josée. il faut se souvenir de ça, absolument, là. Et qui vont favoriser une bonne digestion. Oui. Combien de gens, tu sais, n'ont pas de mouvement naturel, mais ça prend de l'huile. C'est, tu sais, c'est tout ça. Et la peau sèche, ou, tu sais, les. Fait que moi, comme quand j'ai demandé justement au pharmacien puis à la nutritionniste, j'ai dit, comment savoir son acide protéine? M'a dit, est-ce que tu as des cheveux qui cassent, tu as des ongles qui cassent? Là, j'ai fait, wow, c'est vrai que ça va jusque-là. Système digestif, quelqu'un qui a pas de, tu sais, est-ce que tu prends, la première chose à regarder, est-ce que, bon, de l'eau, oui, et du gras, et c'est Mais logique. je te dirais que j'ai une amie qui est naturopathe qui fait l'irrigation du côlon. Puis elle disait qu'elle fait des chroniques sur le bol de toilette. Puis elle disait que pour savoir si on a une bonne digestion, si on a assez de gras, quand on va aux toilettes, si on s'essuie puis on ne tache pas le papier, c'est parce que on a une bonne élimination. Ça, moi, tu sais, Marie-Josée, c'est, je suis contente que tu l'aies dit. Je ne peux tellement pas aller là parce que tous nos problèmes viennent de là. Oui, je comprends. Tu sais, on en souffre encore énormément aujourd'hui. Et la naturopathie, malheureusement, elle n'est pas reconnue ici au Québec. Ils ne sont pas des spécialistes de la santé. Ils ne peuvent donc pas ni conseiller, ni faire, tu sais, rien de ça. Et ce que tu as dit, il n'est pas non plus légal. Tu sais, on n'a pas le droit. C'est pas scientifique, c'est pas légal, mais c'est des chroniques qu'elle fait, elle, avec son Mais activité. Puis mentionne. j'ai trouvé ça intéressant. Puis
C'est intéressant, mais mentionne pas son nom parce que elle va faire, surtout pas ici, parce que Oui. je veux dire, c'est elle n'a pas théoriquement, elle n'a pas le droit. Tu sais, oui, on a le droit d'enseigner, on a le droit de, encore faut-il être appuyé par la science et par des spécialistes de la santé. Oui. C'est très, 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 très dangereux, tu sais, je veux dire, et à ce point-là, parce que je veux dire, moi, on vit des problèmes depuis 2018 à cause de ça. Des Oui. lourds, graves problèmes, tu sais. Oui. Mais en. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas mentionné son nom, mais c'est quelque chose que je trouvais pas spécial, mais intéressant à savoir. Oui, c'est intéressant. Et on n'en parle pas et beaucoup, mais oui, les bons gras soutiennent le système digestif et le jus d'aloès Oui. aussi. Le jus d'aloès, on peut le dire, Lise, parce que c'est homologué par Santé Canada pour ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que, juste pour résumer tout ce qu'on vient de dire, là, tu sais, et nous, là, on est une entreprise de produits de santé naturelle et de cosmétiques, beauté. Moi, je peux dire telle formule est homologuée par Santé Canada pour ci, ça, ça. On peut, grâce aux spécialistes de la santé qui nous entourent, on peut, tu sais, dire comment enseigner finalement, donner les grandes lignes, mais tout est supporté par la science et c'est super important. Mais quelqu'un qui arrive avec un problème, on ne peut pas jamais, le conseiller. Donc, on peut dire, il y a ça qui est fait pour ça, selon Santé Canada. Donc, c'est super important que vous le sachiez et que la naturopathie n'est pas reconnue par Santé Canada. Il y a plusieurs personnes aussi qui, en ce moment, sèment un peu la peur, la terreur, ou tu sais, que ne vous inquiétez pas, les produits de santé naturelle ne sont pas là pour disparaître. Il y a une nouvelle loi qui arrive, et justement, j'en ai parlé et j'en parlerai lors d'un direct avec Pierre, qui est au cœur de ça et qui est aussi expert dans son domaine. Mais il y a une nouvelle loi qui va faire en sorte que on va devoir payer à chaque année pour l'exploitation, si on veut, de produits de santé naturelle. Donc, certaines entreprises ne pourront pas continuer. Maison Jacinthe va continuer. T'sais, fait qu'il faut pas avoir peur que les produits de santé naturelle vont disparaître. C'est juste que oui, il y a un système qui se met en place et qui va faire en sorte que peut-être certaines ne pourront pas continuer. C'est parce que ça va être très, très, très exigeant. Et malheureusement, c'est tout le monde qui va en payer parce que oui, les frais vont devoir augmenter un peu, t'sais, mais c'est ça qui est en train de se passer. C'est pas, les produits de santé naturelle ne seront pas bannis. Ils seront juste plus chers. Ça va être ça au final. Et évidemment, nous, comme entreprise, on s'est opposé à ça parce que ça n'a pas de bon sens. T'sais, à un moment donné. Et moi, je suis toujours. T'sais, on baigne dans le bien-être, on baigne dans les changements de vie. Vous les voyez à chaque matin. T'sais, c'est vos témoignages. On mise sur des ingrédients naturels, on mise sur des plantes, on mise sur la bonne alimentation et tout le monde change et s'en trouve mieux. Puis à côté de ça, on a un système avec des médicaments qui ont plein d'effets secondaires, qui entraînent la prise de d'autres médicaments. Et ça, c'est remboursé par le système de santé. Tu sais, on est dans une espèce de, mais je ne suis pas contre la médecine. J'ai un médecin que j'adore, on a des spécialistes de la santé extraordinaires. Pour moi, un va avec l'autre, t'sais, un n'annule pas l'autre. J'ai besoin des deux dans ma vie, mais il y a tout un chemin, un débroussaillement à faire ici au Québec. Non, c'est pas que les produits de santé naturelle seront plus encadrés, ils le sont déjà, Stéphanie. Ils vont être chargés. C'est pas la même chose. C'est complètement différent. En ce moment, pour avoir un produit de santé naturelle, on doit soumettre déjà des études scientifiques et déjà tout est très, très, très lourd au niveau de la documentation. Donc, tu sais, et tout doit être supporté par la science. Donc, c'est déjà très bien encadré depuis 2004. Et on peut avoir des allégations scientifiques pour les produits de santé naturelle. C'est pas du tout la même chose. On va être chargé
pour pouvoir proposer des produits de santé naturelle. C'est pas la même. Pourquoi cette nouvelle réglementation, Émilie? Il faudrait le demander à Santé Canada. Ce que je vais faire, parce que je veux pas vous lancer ça comme ça, on en parlera avec Pierre, qui est le premier outré contre ça, et tous ceux qui sont dans la recherche, en fait, parce que c'est la recherche aussi dans les produits de santé naturelle qui va être, voyons, qui va être un peu coupé, qui va être, c'est tout ça qui est, et c'est très triste, c'est vraiment, oui, c'est mais c'est ça, c'est, voilà. Et pourquoi Caroline pose la bonne question, et on se la pose, Sylvain et moi, tous les jours. Pourquoi cette loi, quand on peut acheter un Coke diète qui est cancérigène sans problème? Exactement. C'est désolant, mais tu sais, je veux dire, au début de toute cette vie-là dans Maison Jacinthe, je m'attendais tellement pas à ça, là, tu sais. Moi, mon désir 2013, c'était de partager des recettes, des rituels qui ont fait une différence dans ma vie, en espérant qu'elles fassent une différence dans la vôtre. C'est réussi. Au fil du temps, on a plein d'outils qui sont arrivés à ça. Les protéines en sont une, mais tellement, tellement de formules ultra performantes sans effet secondaire. C'est comme... Oui. Tu sais, je veux dire, si on devait avoir un effet secondaire, ça se peut, là, ça se peut que ça arrive. Tu sais, ça se peut que les fibres ne fonctionnent pas pour un ou, tu sais, ou pour l'autre. C'est tout à fait normal, mais c'est pas au point où on doit être hospitalisé. Tu sais, c'est pas ça, là. C'est, tu sais, ça se peut que le mouvement soit accéléré un petit peu, ou, tu sais, bon, c'est pas, ça, c'est pour les fibres, mais tout le reste, j'ai pas connu d'effet secondaire. Mais imaginez-vous si on avait des effets secondaires, comment on serait là fou, tu sais, sous les grosses portes qui s'allumeraient, puis mais il y en a pas, on n'a que des effets bénéfiques, tu sais, on est là dans des milliers et des milliers de témoignages, tu sais, mais je m'attendais pas, moi, à voir, tu sais, ces controverses, parce que effectivement on est dans la bonne alimentation, dans un merveilleux style de vie, dans des produits de santé naturels, pas de synthétique. Pas de. Fait que voilà. Mais c'est comme ça. Au début, j'étais assommée par tout ça. Maintenant, je trouve pas ça drôle, mais j'ai un détachement par rapport à ça. Et c'est devenu tellement gros à un moment donné que j'ai fait, ah bon, OK, ça dérange. Oui, c'est ça. C'est. Et heureusement qu'on a des personnes, des piliers comme Pierre qui sont là. Pour nous soutenir dans tout ça et qu'on est plusieurs là, tu sais, à faire chemin ensemble. Et, voilà. Ça va entrer en fonction, je pense, en 2024 ou 2025. Je me souviens plus exactement, Émilie, quand. Faudrait que je regarde la paperasse, ça me tente pas. Tu sais, même chose, Odile, puis dit trop payant les médicaments traditionnels. Tu sais, quand j'ai voulu faire des recherches, puis j'en parlerai avec Pierre, tu sais, je pense qu'on est dû pour un direct, mais on a tellement essayé de faire des recherches et c'est comme si on pouvait pas. Tu sais, c'est vraiment étrange tout ça. Tu sais, on subventionne des recherches, mais en tout cas, c'est toute une autre affaire. Puis, tu sais, Sylvain dit Jacinthe, faisons-nous, c'est pas ça. On n'est pas obligé de tout ça. Puis on veut plus aller là. Continuons de faire ce qu'on fait avec vous, avec vos témoignages, avec un petit cadeau à chaque jour. Puis soyons heureux. Tu sais, Émilie qui parle de la SAQ, oui, mais pensons aussi, tu sais, à toutes les affaires en ligne, de jeux en ligne. Tu sais, c'est comme, oh, moi, je des fois, là... J'ai déjà entendu Arcan le matin dire « Méfiez-vous de Jacinthe René ». Tu sais, je l'ai entendu dire ça au 98.5. J'ai fait « De quoi qu'on parle ici ?» Puis après ça, on parle des jeux en ligne. Puis que j'ai fait « Mais voyons donc, ça se peut pas. Ça ne se peut pas. »
C'est comme tout mélangé ou tout, tu sais, fait que voilà. Gardons notre côté lumineux pour créer notre nouveau monde. Ouais. Voilà. Et tu sais, sans être ésotérique, on est très terre à terre, mais oui, on est un beau clan et je pense que ensemble, on est une belle vague qui, par nos changements de vie, on inspire les autres, tu sais, qui vont faire, mais voyons, c'est pourquoi tu as une belle peau comme ça, ou c'est quoi ton énergie, ou qu'est-ce que tu as fait, ou, et là, ben, on peut dire, ben, c'est un chèque le matin, Pierre fait dire oui pour le direct, quand tu veux, Pierre, il faut que les gens sachent, puis c'est que je sens que, moi, on m'écrit beaucoup en ce moment, puis les gens ont peur que les cosmétiques naturels disparaissent, que les produits santé naturels disparaissent. Ce n'est pas ça. Et oui, c'est dérangeant. Mais bref, ça me fait monter un peu d'émotion ce matin. Puis, et je m'attendais pas à ça là, ce matin. Je m'attendais à parler des protéines. Mais je dois faire attention dès qu'on dit quelque chose, Marie-Josée. Tu sais, Comprends. on amène. C'est sûr que moi, des fois, j'ai des peurs et avec raison. Avec énormément de raisons. Tu sais, je veux dire, 8 avocats plus tard, là, tu sais, j'ai eu des gros événements. On a eu des gros événements dans notre vie, puis on en souffre encore. On en souffre énormément. Énormément comme entreprise, comme individu aussi. Parce que c'est souvent Jacinthe qui est attaquée et non Maison Jacinthe. On l'a là. Et ça vient pas de moi. Ce qui a été, les erreurs qui ont été commises ne viennent pas de moi. Viennent de d'autres personnes qui ont utilisé notre média. Donc, fait que voilà. Et oui, c'est important d'en parler. Tu sais, moi, je touche du bois. Tu sais, quand on a gagné notre appel, personne n'en a parlé. Et pourtant, c'était toute une affaire. Marie-Josée, c'était toute une affaire. J'en pleurais parce que c'était. Hey, c'était une charge qui s'enlevait de mes épaules. Tu sais, vous avez pas idée. Je veux pas vous parler de ça. Mais ah, oh, je me suis mis là à shaker de tout mon être. Tu sais, quand on a gagné les. Personne a parlé de. Et pourtant, quand un journaliste embarque dans quelque chose, il devrait suivre la nouvelle jusqu'au bout. Ça fait partie de la loi aussi. Fait que personne n'a parlé qu'on avait gagné l'appel. Et là, on a décidé d'aller en appel de notre appel gagné. C'est épouvantable. Je veux dire, ça n'a même pas de bon sens. T'sais, tout ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, je veux pas y penser parce que ça me ramène toutes sortes de feelings que j'aime pas. Mais voilà. Oui, notre communauté en a parlé, c'est ça qui compte. Mais sois fière, Jacinthe, hein, de tout ce que tu as créé, de tout ce que tu crées. Merci Marie-Josée. Et tu sais, quand, tu sais, c'est fou, là, mais quand j'ai eu ça hier, là, j'ai fait, oh, wow. Tu sais, c'est 24 pages, puis j'ai fait, oh. C'est là où on est rendu avec des outils. C'est ça que je vous disais au début, avant le début du direct. Je disais, je suis tellement contente de bien vous nourrir, d'avoir ces informations-là à portée de main. Tu sais, pour tous ceux qui, tout le site est là, il y a sans frais, vous pouvez aller consulter. Et oui, on a des beaux outils et qui ont fait leurs preuves. Tu sais, et voilà. Non, sois fière, puis dis-toi que de nos jours, plus qu'on est lumineux, plus qu'on est attaqué. Moi, je sais. Je sais. Je sais que c'est pas, je sais que c'est très difficile. C'est très difficile. Comme ça aujourd'hui. Je le comprends très bien. Quand les menaces de mort sont arrivées, je peux vous dire que ça, je n'ai pas trouvé drôle. T'sais? Puis, mais regardez, c'est ça. C'est là où on en est. Puis, on continue, on est bien. Moi, je passe de belles journées. Je suis contente de vous rencontrer à chaque matin. Merci d'être là.
Et merci pour vos bons mots. Tu sais, on s'est égaré un peu, puis en même temps, ça me fait du bien de le dire et de le sortir. Mais profitez du beau spécial aujourd'hui. Oui. Et merci Marie-Josée pour ton temps ce matin. Et Merci. bisous à tout le monde, bisous Pierre Chantal et à très bientôt. Merci. Bonne journée Marie-Josée. Bonnes vacances.